Bonjour à tout le monde, merci d'être venu en grand nombre. Je m'appelle Jean-Claude Ravert, rédacteur en chef de la revue Relations. Vous êtes venu à. Je vous remercie d'être donc venu en grand nombre à cette conférence publique organisée dans la foulée de notre numéro anniversaire, L'amour du monde, socle de toute résistance. Ce n'est qu'un volet de trois, hein. Celui-ci est le premier d'une trilogie qui se déploiera bientôt, c'est-à-dire dans deux semaines, avec le numéro d'avril qui arrivera en kiosque dans deux semaines, qui s'appelle « La résistance, impératif de notre temps ». Et se conclura avec le numéro de mai, « La puissance de la création », le premier en haut. Cette trilogie se veut une manière de dessiner à grands traits l'esprit qui anime la revue. Notre manière d'être si unique et si nécessaire dans l'univers médiatique québécois. Une revue qui allie analyse sociale, critique, art et questions de sens, qui conjugue transformation sociale et manière de vivre fondée sur la dignité humaine, le respect de la nature et l'ouverture à la transcendance qui habite le monde. Je vous invite donc à vous procurer, si ce n'est déjà fait, ces numéros anniversaires. Vous y lirez des textes de collaborateurs et collaboratrices de la revue de longue date ou récents. Je vous nomme ceux qui ont écrit dans le dernier numéro, mais vous découvrirez ceux des deux autres. Parmi ceux-là et celles-là, on trouve Marie-Célie Agnan, André Beauchamp, Hélène Dorion, Natacha Canapé-Fontaine, Bernard Aymon, Gilles Gagné, Viviane Labrie, Jean Bédard, qui fait la conférence, pour ne nommer que quelques-uns et quelques-unes des auteurs qu'on retrouve dans le dernier numéro. Mieux serait encore de vous abonner, bien sûr. Vous aurez droit ainsi, comme abonné, à la version numérique de la revue et aux archives des trois dernières années qui leur sont offerts en exclusivité. Les autres numéros, depuis le premier, publié en janvier 41, seront accessibles sur le site de la BNQ. Parce que s'abonner, c'est soutenir dans la durée, le projet de la revue, sa manière singulière d'intervenir dans l'espace public et conspirer à construire une société juste. Avant de passer la parole à Claire Doran, qui animera la soirée, qui est une collaboratrice fidèle de la revue et membre de son comité de rédaction, permettez-moi de conclure par un court passage tiré du dernier roman de Jean Bédard, Le chant de la terre blanche, qui pour moi évoque à sa manière ce qui nous fait tenir dans cette tâche énorme. Inuit, écoute le rêve de Tongarswak. Écoute. Si la brindille n'est pas reliée à la petite branche, si la petite branche n'est pas reliée à la grosse branche, si la grosse branche n'est pas reliée au tronc, si le tronc n'est pas relié à la terre, si la terre n'est pas reliée au ciel, si rien de cela n'est relié aux différentes vastitudes, alors qui peut vivre? Qui peut boire la sève? Il faut bien qu'il y ait quelque part une joie indéfectible. Car s'il n'y avait pas de joie indéfectible, la petite feuille tremblante ne voudrait pas lutter pour la vie. Il s'ensuit que quelqu'un a déjà assumé le malheur du monde. Ce fut moi. Ce fut lui et elle. Ce fut nous. Ce fut il y a si longtemps. Merci. Merci Jean-Claude, je pense que ça lance vraiment très bien la soirée.
Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous guider dans le déroulement de cette belle soirée. Et je vais vous donner tout d'abord un aperçu, justement, de la manière dont ça va se dérouler. Dans un petit moment, je vais vous présenter un petit peu plus formellement notre conférencier Jean Bédard, qui va prendre la parole sur le thème de l'amour du monde. Et par la suite, nous allons donner la parole à deux poétesses pour la lecture de leur poème commun, précédé de quelques éléments de contexte. Et ensuite, sans prendre de pause entre les deux, nous allons nous partager la parole ici dans la salle pour vous permettre à toutes et tous de converser avec nos invités et aussi de converser entre vous. Alors, nous voulons terminer vers 9h20, 9h30, donc nous ne prenons pas de pause. C'est pour ça que nous allons faire ça tout d'un trait. J'espère que vous êtes bien en forme et je vous donnerai quelques petites informations pratiques à la fin, là, supplémentaires. Alors, sans plus tarder, parce que déjà, on vous a fait attendre un petit peu, puis c'est pour ça que vous êtes venus, je veux vous présenter Jean Bédard, que beaucoup d'entre vous connaissez bien, mais c'est toujours agréable de se remettre ça un petit peu en tête. Alors, Jean Bédard est beaucoup de choses, et parmi lesquelles il est philosophe, écrivain et intervenant social. Et déjà, ces trois combinaisons, ça nous donne une idée de sa sensibilité, de sa créativité, et de sa profondeur de réflexion. Et à travers toutes ses œuvres et tous ses projets, Jean Bédard exprime un amour profond du monde et un rapport intime avec la nature. Dans la quinzaine d'ouvrages qu'il a publiés, tout comme dans les autres aspects de sa vie professionnelle, sa vie personnelle, Jean Bédard s'est toujours montré très sensible à la détresse des humains, tout comme à celle des autres créatures du cosmos. Mais en même temps, il est un chantre enthousiaste de la beauté, qu'il s'agisse de la beauté de la nature, de celle de la poésie ou de celle de la bonté humaine. Et son amour de la vie et du monde s'incarne depuis quelques années dans la ferme Sage Terre qu'il a fondée au Bic, dans le bas du fleuve, avec son épouse, qui est avec nous juste ici, pour créer et vivre au quotidien un idéal d'écologie intégrale, de vie communautaire et d'échange philosophique. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Et alors, je vous rappelle quelques-uns des titres qu'il a publiés. Il y en a bien d'autres, mais il est reconnu à la fois pour ses romans et pour ses essais. Alors, parmi les romans, on se souvient de Marguerite Porrette, l'inspiration de Maître Eckhart, qui lui a valu le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec, qui a été publié en 2012, et Le chant de la terre Innu, qui a précédé Le chant de la terre blanche, dont Jean-Claude a dit un court extrait il y a une minute. Et au niveau des essais, « Le pouvoir ou la vie, repenser les enjeux de notre temps » en 2008 et « L'écologie de la conscience » tout récemment en 2013. Alors, laissons-le nous parler lui-même de l'amour du monde. Merci Jean. Bonsoir à vous tous. Je suis content d'être ici, d'avoir traversé la neige, d'avoir quitté mes animaux pour venir vous parler ce soir de la chose la plus nécessaire au monde, peut-être même plus que la nourriture, c'est la beauté. Parce que imaginez-vous qu'un beau matin, vous vous levez, puis rien de beau. Et puis tout est gris, tout est terne, tout est insipide, tout est sans intérêt. Vous allez à votre travail, et puis là, vous étouffez de solitude, même en prenant un café avec vos amis. Vous vous couchez le soir, pas de rêve significatif. Et puis le lendemain, c'est pareil. Et puis une année, et puis deux années. Combien de temps vous pensez vous pouvez tenir le coup? Hein? C'est pas une vie. Vivre, ça peut pas être ça. Si rien n'est beau, en fait, il n'y a pas de vie du tout. Si dans votre vie,
mettons, il y a quelques instants de beauté. Imaginons qu'il y en a pour les mettre bout à bout, ça donnerait 2h54 minutes et 3 secondes. Bien, vous auriez vécu 2h54 minutes et 3 secondes. Dans ces conditions, comment s'attacher à la vie? Comment vouloir que la vie dure encore 10 000 ans? Aussi bien laisser la planète Terre bouillir dans son jus de pétrole, aussi bien démissionner, laisser faire, abandonner, ne plus avoir de résistance. Alors, vivre, c'est vibrer, vivre, c'est aimer. Et c'est à partir de ça qu'on peut résister, tenir, avoir le goût de vivre. Pour aimer, en fait, c'est sûr, il faut trouver beau. Car l'amour, c'est évidemment un élan vers la beauté. Et si ce n'est pas un élan vers la beauté, c'est un simple devoir moral. Et qui voudrait être aimé par devoir moral? Même pas un petit chien. Même pas Dieu. La beauté, cependant, ça ne s'impose pas. Hein? On trouve beau ou on ne trouve pas beau. Mais il faudrait peut-être ajouter ceci. La beauté est un acte de la liberté, oui, mais ce n'est pas un acte accidentel, c'est un acte de la conscience. C'est même un accomplissement, et c'est tout un programme, cet accomplissement-là. Un biologiste accompli découvre la beauté des bactéries, du travail des bactéries, dans l'intestin. Une sage-femme accomplie trouve beau un accouchement. Un astronome accompli est pâmé devant les vastitudes de l'univers. Un travailleur social accompli trouve magnifique le combat des plus pauvres pour garder leur dignité. Alors, sommes-nous des humains accomplis? Avons-nous trouvé la beauté du monde? Sinon, les conséquences vont être graves. Parce que quand on n'a pas trouvé la beauté du monde, on détruit le monde. Mais, pour trouver la beauté du monde, encore faut-il trouver le monde. Et c'est pas si facile que ça à trouver, nous qui sommes un peu autistiques. Pour ma part, j'ai ma petite discipline. Chaque matin, je m'en vais à l'étable pour nourrir mes chèvres, mes deux chevaux, de la même et éternelle botte de foin. Pour eux, c'est un trésor. Pourtant, pas de sauce, pas de cornichons, pas même un olive. Et puis, ils frémissent de plaisir, hein? Vraiment. Mais observons un peu comment ça se passe. Regardons Blanche, la chèvre un peu têtue. Et puis, Blanche, elle a des lèvres très fines et elle filtre, hein? Elle sélectionne et elle prend chaque petit brin d'herbe et elle déguste chaque petit brin d'herbe. Vous savez qu'il y a 12 000 espèces de graminées. Il y a 250 espèces de trèfles. Il y a 225 espèces de vesses. Il y a des herbes pour tous les goûts. Il n'y a que des entrées. En fait, c'est de la pure gastronomie, vous savez. Et ce qu'elle gaspille, elle ne le gaspille pas vraiment. Elle va gaspiller surtout les tiges. Mais c'est pour la litière, sa litière à elle, et celle de ses petits.
et elle ressent, voyez, un bonheur immense qui relâche ses sphincters et elle laisse tomber des petites crottes qui vont venir réchauffer la litière. Et un jour, tout ça, ça va nous donner des bons légumes. Hein? Et puis, au printemps, hein, autour du compost, on va voir sortir toutes sortes de fleurs. Fleurs. Vous savez que l'invention du point de vue biologique de la beauté, qui a inventé la beauté, hein? Du point de vue biologique, la beauté en tant que couleur, en tant que parfum et en tant que saveur, eh bien, ce sont les fleurs. Bon. Et puis, il y avait une raison à ça. Vous savez que les fleurs, ce sont des organes génitaux femelles, mâles, sans aucune pudeur, complètement à découvert, comme ça, offert, mais sans aucune libido. Aucune libido. Alors, elles ont contracté, hein, une entente négociée avec une agence de copulation. Les abeilles, hein? Et pour que les abeilles travaillent, a bien fallu qu'elles inventent la couleur, qu'elles inventent la saveur, qu'elles inventent tous les petits plaisirs que les abeilles vont pouvoir se prendre elles-mêmes, vous savez. Et donc, c'est déjà, vous voyez, quelque chose d'assez extraordinaire parce que par coévolution, on est à l'intérieur d'une relation où l'abeille va développer ses sens en fonction de la fleur et la fleur va développer ses couleurs, ses saveurs en fonction de l'abeille. Mais c'est même pas encore si simple que ça. Parce que si les abeilles se mettent à polliniser comme ça n'importe où, à travers toutes les espèces, ça ne fonctionnera pas. Elles doivent se spécialiser tout de même à travers certaines espèces pour que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas entre les espèces. Alors là, ils ont inventé différents codes, vous savez, les fleurs par coévolution avec les abeilles. Par exemple, il y a une espèce de gros bourdon que lui... C'est une sorte de vibration. Alors, il arrive comme ça. Il faut qu'il fasse une certaine vibration très précise, par exemple un ré majeur. Et là, s'il arrive au ré majeur, par son propre frisson, sa propre vibration, son propre plaisir de sentir les fleurs sous lui, eh bien là, le pollen se dégage et là, il peut polliniser. Alors, tout ça, c'est un processus de coévolution et c'est un mariage à trois. Et d'ailleurs, voilà pourquoi qu'à notre ferme, on donne des fleurs pour recruter des acheteurs de légumes. Un petit truc. Ça fait 250 millions d'années que ça marche. Ça devrait bien marcher encore un peu. Comme vous le voyez à travers ces exemples, pour trouver le monde, il faut creuser tout de même un peu. Il faut observer. Dans un jardin... Avec un peu d'attention, on en a rapidement plein les yeux. Chaque petite chose est une merveille. Éberlué à ce moment-là, tout à coup, on sent ça. Mais, hein, qui donc a fécondé la terre pour qu'elle soit si belle, si magnifique? Cependant, j'y reviens, on ne tombe pas pile sur le monde si facilement. Il faut plus qu'un jardin. Il faut même un petit peu plus que de la curiosité. Il faut plus que de l'observation. Il faut une sorte d'état de grâce. Il faut une disponibilité de l'esprit. Il y a plusieurs formes de disponibilité à l'esprit. Mais il y en a une qui habite notre imaginaire. La conscience s'associe à l'imaginaire, puis elle se dit « le monde aurait pu être autrement ». Par exemple, il n'y aurait pu y avoir rien, littéralement rien. Mais non, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas rien. On aurait pu s'attendre aussi à quelque chose d'extrêmement simple, mettons, des cercles, des carrés, des ronds, quelque chose qu'un enfant de 7 ans peut comprendre tout de suite, rapidement. Non, c'est pas comme ça.
C'est pas non plus quelque chose d'absolument incompréhensible, absurde, sans aucune signification, une espèce de melting pot chaotique. Non, pas du tout. À chaque fois qu'on se penche, on peut creuser un mystère. Il n'y a jamais rien de banal, mais on n'arrive jamais non plus au bout. Jamais complètement. Il faut utiliser absolument toutes nos capacités. Rien n'est banal, mais tout est contagieux. C'est comme dans la musique. Hein? Quand on écoute de la musique, on se met à vibrer, on n'est plus capable de faire autrement que de bouger des pieds. On n'est pas capable de nous empêcher de participer. La même chose. Quand on se met à regarder les couleurs de la nature, les formes des arbres, on éprouve le besoin de participer. Par exemple, au printemps, quand je commence à regarder les fleurs surgir autour de mon tas de compost, hein, je me rends compte que, sans volonté, sans le vouloir, mes petits yeux moqueurs se mettent à arranger un peu les choses. Ils rajoutent un petit peu de couleur, ils mettent un petit peu plus de brillant, ils réajustent un peu les formes. On fait un petit peu de monnaie, si vous voulez. Hein? Et pourquoi? Parce que les yeux ont besoin d'ajouter, de faire un petit quelque chose, de créer. Et c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour que mes yeux, je ne peux pas empêcher mes yeux de faire cet acte d'amour-là. Si vous me suivez bien, vous voyez, je n'essaie pas de vous dire que le monde est beau. J'essaie de vous dire que le monde est la beauté. La beauté travaillante, la beauté à l'œuvre, dans mes yeux, mais aussi dans le morceau de monde aimé. Mais en réalité, voyez-vous, si vous vous souvenez de l'exemple de l'abeille, la beauté n'est pas dans mes yeux. Elle n'est pas non plus uniquement dans les arbres ou dans les fleurs. Elle est dans la relation. Elle est réellement dans la relation entre l'œil, entre nos sens, entre notre conscience et le monde qui est là. Il y a une résonance, une vibration mutuelle, et voilà ce qu'est la beauté. Au contraire de ce que l'on croit, l'amour, cette relation-là, l'amour ne rend pas aveugle. Non, l'amour fabrique elle-même nos sens adaptés à la beauté de la nature. Sans amour, nous sommes aveugles. Et avec l'amour, même les aveugles voient. Ce n'est pas tout. Pour trouver le monde beau, il faut non seulement le regarder avec le pinceau de Monet, mais il faut aussi le regarder avec les questions et l'intelligence de Einstein. Hein? Par exemple, par quelle magie souterraine, hein, mon tas de fumier mêlé à des déchets de table, à de la vieille paille, va-t-il devenir un organisme vivant, un microbiote extrêmement complexe qui va réussir à alimenter les légumes, hein, les fleurs, et qui va nous nourrir? C'est tout de même un cycle assez étrange, vous savez, et peut-être même difficile à avaler pour notre sensibilité, que ce qui sort par l'anus nous revienne par la bouche, hein, par des voies qu'on voudrait parfois oublier. Hein? Bon. Cela veut dire, vous savez, qu'il y a des énergies organisantes qui pénètrent un peu partout et constamment la réalité. Pour s'associer avec tous les matériaux du monde jusqu'à faire des légumes, des lapins et des êtres humains. C'est tout de même un travail de biochimie
assez colossale et monumentale, tout ça devant nos yeux. Justement, j'ai un petit-fils qui s'appelle Massimo, 6 ans. Lui, il a parfaitement compris. Eh oui, on était en train de pelleter du fumier, hein, ensemble, puis là, j'étais en train de lui expliquer tout le rapport entre les excréments des animaux et puis les légumes. Et puis, tout à coup, les yeux lui brillent. Et puis, il dit, « Ah, grand-papa, je viens de comprendre pourquoi le brocoli, ça goûte si mauvais. » Bon. C'était pas tout à fait la réponse que j'aurais aimée. Mais tout de même, la question reste entière. Vous savez, il y a tout de même une sorte de magie qui est là. Alors, justement, entre le fumier et le brocoli, les biologistes vont nous toutes nous raconter l'histoire. Hein? Au début de la planète, il y a des molécules complexes de chimie organique qui ont fini par s'organiser en bactéries. Hein? Ça a pris des centaines de millions d'années. Pourquoi? C'est long, hein? C'est long, hein? Passer de la compétition à la collaboration. Ça veut dire qu'il faut passer de la mémoire des coups bas, hein, à l'intelligence de faire quelque chose ensemble. Eh bien, ça a pris pour les bactéries quelque chose comme à peu près un milliard et demi d'années. Mais ils y sont arrivés, les bactéries. Ils ont réussi. Et c'est assez magnifique l'organisation de la terre fertile. Quand on a une terre vivante, que dans notre jardin, on sent que maintenant, parce que nos terres sont mortes beaucoup au Québec, que maintenant on a une terre vivante, on en fait une sorte d'intestin, d'un microbiote qui est vivant et qui va nous donner à manger, littéralement à manger. Alors, mon tas de déchets, le fumier, il s'organise grâce à la Société des bactéries. Et quand je dis « s'organise », j'utilise ici un mot scientifique extrêmement précis qui veut dire en fait « augmenter en intelligibilité ». Autrement dit, « augmenter en complexité ». Cela veut dire que ça transfère tout à coup tout le rapport avec la nature du côté de mon intelligence. Ça veut dire que maintenant, je peux comprendre les bactéries. Il y a une science possible des bactéries. Ça me prend moins de mémoire, mais plus de compréhension des principes. Vous voyez techniquement ce que ça veut dire. Essayez de vous souvenir d'un million de chiffres qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ça va vous être totalement impossible. Supposons que je vous chuchote à l'oreille un principe d'intelligibilité que je viens de comprendre. Par exemple, je vous dis le chiffre suivant est l'addition du premier chiffre divisé par 2. Tout d'un coup, vous pouvez, si vous avez la patience de le faire, faire un million de chiffres. C'est ça, augmenter en intelligibilité. Transférer des pouvoirs mémoriels vers des pouvoirs de l'intelligence, de l'intelligibilité des choses. Vous savez qu'il y avait deux antidotes à l'Antiquité. Par rapport à l'absurde, le fait que le monde est beau et ensuite le fait que le monde est intelligible. Et lorsqu'on a quelque chose qui est beau et qui est intelligible, on est à peu près au niveau d'une œuvre d'art. Cela veut dire ici que seule une intelligence apte à saisir les principes organisateurs peut réellement jouir de ce type de beauté-là. Tout à coup, on commence à avoir des clés pour pénétrer l'œuvre d'art. Cependant,
L'intelligibilité de la moindre chose naturelle est, il faut le dire, excessive. L'herbe, par exemple, hein, l'herbe, simple herbe sur laquelle on marche, peut construire toutes sortes de sucres possibles, toutes les sortes de sucres possibles, peut construire des millions de types de protéines d'une complexité extraordinaire. Il faut des équipes aujourd'hui, des équipes de plusieurs centaines de chercheurs utilisant de puissants ordinateurs et des instruments quasi surréalistes pour cerner un peu comment ça marche, et toujours quelque chose échappe, comme si la nature s'amusait un peu avec nous et nous faisait pousser à bout nos capacités. Le monde est quelque chose justement qui nous met à bout, tant sur le plan affectif que sur le plan de l'esprit et de la pensée. Vous le voyez bien. Donc, ça veut dire que la beauté n'est pas un simple esthétisme des couleurs et des formes. Elle est une sorte de surintelligence. Et cette surintelligence, quand je dis surintelligence par rapport à la nôtre, hein, est une surintelligence en acte. En acte dans toutes les bactéries ou le microbiote de la terre qui va devenir nos légumes et qui va devenir notre corps. Nous sommes formés de cela. Notre corps, vous me comprenez bien, est l'état poétique du cosmos. Elle est en l'état vibratoire poétique du cosmos à travers chaque éléments que l'on mange. On aurait pu s'attendre à un monde facile à comprendre, par exemple un monde cartésien, ou on aurait pu s'attendre à un monde totalement incompréhensible. Non, on a un monde qui exige toutes nos intelligences collectivisées, tendues même à l'extrême, et en même temps, ça nous procure la plus grande jouissance intellectuelle qu'un être humain peut comprendre. S'il ne s'enveloppait pas la nature, si la nature ne s'enveloppait pas de duvet chez les pinsons ou les mésanges, ou de fourrure chez les mammifères, ou de belles couleurs chez les plantes, si elle ne s'enveloppait pas comme ça de vêtements simples, beaux, souvent humoristiques, on serait probablement assommé par sa grandeur, par sa magnificence, par son intelligibilité, par sa complexité. Il fait tout son possible pour se rendre accessible par la beauté, la simplicité de ses formes. Donc, si on résume ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, vivre vraiment, c'est ressentir la résonance entre toutes nos facultés tendues, affectives, intellectuelles et autres, et la grandeur du monde qui est devant nous. Cette vibration est une jouissance, et cette jouissance est la vie elle-même. Du point de vue physique, la vie est le frémissement électrique d'une onde lumineuse captée par les plantes et transférée dans notre corps. Du point de vue spirituel, la vie est le frémissement électrique de la lumière de l'esprit. Beauté veut dire frémissement. Frémissement, c'est l'acte même de ma propre vie. C'est les électrons de mon corps qui vibrent. Bon. Mais toujours, dans toute l'histoire de l'Antiquité, on a dit « oui, le monde est beau ».
Oui, le monde est intelligible, mais le monde est-il cruel? La nature est-elle cruelle? Voilà le problème probablement le plus difficile pour la philosophie. J'en conviens, et je l'avoue, moi aussi j'aurais aimé que la nature soit plus douce, moins centrée sur la survie des espèces, sur l'exigence d'un combat pour la meilleure adaptation. Comme s'il fallait toujours pousser, fouetter les troupes pour tirer le meilleur parti adaptatif de la vie des êtres vivants. Mais encore une fois, avant de juger, avant de faire un procès à la vie, peut-être faut-il prendre la peine d'observer. Un exemple m'est arrivé il y a environ 2 semaines. J'ai un bouc à la ferme, le mâle des chèvres. Il pèse environ 250 livres, une belle bête. Il s'appelle Brutus. Alors, dans une année, le pauvre Brutus, il passe environ 1 mois et demi, 2 mois avec les femelles. Et après, il faut l'isoler des femelles parce que, il faut le dire, là, Brutus, ben c'est pas le père par excellence. Mettons que la paternité, il l'a pas, OK, comme on dit. Mais pour le soulager de sa solitude, j'ai ouvert un passage pour qu'il puisse aller avec les chevaux. Hein? Bon, j'ai 2 chevaux, Catmé, qui est une femelle, puis Pedro, qui est un mâle, beaucoup plus territorial. Le bouc peut aller, mais en cas de problème, il peut se retrancher, puis là, il y a une porte pas trop grande, les chevaux ne peuvent pas y aller. Fait que, première journée, Brutus, il reste bien tranquille dans son clos, il ne sort pas. Deuxième journée, il ose s'avancer. Moi, je suis assez loin, puis j'observe. Puis là, Pedro, le mâle, est en train de manger son foin. Il regarde Brutus s'approcher du coin de l'œil, il ne bronche pas, il laisse Brutus s'avancer. Puis quand Brutus est assez proche, il saute carrément dessus à une vitesse folle, il l'attrape par l'arrière, il soulève presque complètement de terre. Il a, mon pauvre Brutus, il a juste les 2 pattes d'en avant qui touchent à terre, puis il te le secoue comme ça. Là, il crie, il fait un cri de mort, mon pauvre Brutus. Là, Catmé, qui est en train de manger du foin, la femelle, à part à courir, j'ai dit, elle va donner la volée à Brutus, pauvre Brutus, pauvre Brutus. Non, non, non! Elle donne un de ses coups de sabot solides à Pedro. Pedro est obligé de lâcher Brutus. Et puis là, il essaie de rattraper Brutus. Catmé s'interpose entre les deux. Et puis, depuis ce temps-là, Brutus ne sort que s'il est escorté par Catmé. Et là, moi, je suis complètement ébahi, vous savez. Complètement. Je suis touché par la beauté morale. Beauté morale. Geste spontané de la gratuité en faveur du plus faible, fût-il un étranger, fût-il d'une espèce différente. J'ai commencé ma conférence en disant à peu près ceci. Pour aimer, il faut trouver beau. L'amour est un élan vers la beauté, c'est une attraction. Et là, je voudrais ajouter, la morale est la beauté qui sort de son cadre, la beauté qui sort de son cadre pour changer ses propres formes. Vous regardez un tableau champêtre, c'est ce que je faisais. Il y a des animaux, il y a les lois de la nature qui vous semblent habituelles, qui vous semblent normales, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui sort du cadre, il y a quelque chose qui sort des lois habituelles et qui ajoute à la beauté des formes et des couleurs la beauté de l'action différente. Comme si, dans l'écosystème et dans l'équilibre des écosystèmes,
Il y a une sortie de l'équilibre, comme si un bras sortait, et puis qui préparait à gros traits un changement d'attitude, un changement dans les relations elles-mêmes. Vous savez, je crois que la beauté est la seule morale valable. Car au lieu d'inhiber la vie, au lieu de créer des tabous, de la contrarier, elle la glorifie, elle l'étire, elle l'amène vers un ailleurs, vers un élargissement. Dans l'exemple que je viens de donner, la beauté ne... Écoutez bien ça, ça m'apparaît important. Dans l'exemple que je viens de donner, la beauté ne se contente pas de l'équilibre territorial propre au mâle. Elle ouvre l'espace clos à de nouveaux rapports. Katmé a agi en mère protectrice vis-à-vis Brutus, une espèce étrangère. La maternité est fondamentalement l'élargissement nécessaire à l'épanouissement d'un être nouveau. Trouver beau l'acte femelle de l'agrandissement de soi pour accueillir l'autre, le différent, c'est s'aventurer probablement dans le plus grand mystère de l'écologie, à savoir l'écologie sociale qui existe même chez les animaux. La morale, comme vous voyez, dont je vous parle ici, je ne la tire pas des traditions patriarcales. Non, je la tire du filon universel du féminin qui s'agrandit constamment en prenant soin de l'autre. La philosophie de Marguerite Porrette, pour ceux qui la connaissent. S'agrandir, s'élargir, vous savez, c'est le principe même du cosmos. Le Big Bang, l'élargissement de soi. C'est le principe de la beauté, grossesse éternelle des ciels étoilés. Hein? On pense parfois que le mâle dominant domine le troupeau. C'est faux. Dans la plupart des espèces animales, c'est complètement faux. La domination par la force est une affaire entre mâles. Les femelles gardent leur indépendance. Elles décident pour elles-mêmes au niveau du troupeau. Elles misent sur l'intelligence plus que sur la force. Généralement, elles vont dans un territoire plus large pour aller chercher d'autres pâturages, c'est elles qui s'aventurent. Je dirais même que la non-soumission des femelles, excusez, je me répète, la non-soumission des femelles est l'une des garanties fondamentales de la survie de l'espèce chez les animaux. Les cultures misogynes y font bande à part. Trouvez beau la fidélité féminine, toujours un peu débordante, est un acte de conscience qui nous ramène à l'immédiateté de notre appartenance à la totalité grandissante, au-delà de nos territoires fermés, idéologiques, nationaux, religieux, athées, comme vous voulez. La beauté, c'est la vie elle-même en marche dans nos artères. C'est le fleuve entré en nous et débordant de fécondité. C'est le féminin qui appelle au dépassement de soi et à l'inclusion de l'autre. L'autre point important. On aurait peut-être aimé que la nature obéisse à une morale du genre « tu ne tueras pas ». Oui, on aurait aimé ça. Mais ce n'est pas son genre de morale. Pour qu'un tel commandement
une telle morale ait du sens, il faut croire à la mort. Or, la nature ne sait pas ce que nous entendons par la mort. Elle est là le principe de la métamorphose. Pour elle, l'herbe mangée par le chevreuil ne meurt pas, mais devient le chevreuil. Le chevreuil tué par le loup ne meurt pas, il devient le loup. Le loup épuisé qui meurt sur la terre entre dans le microbiote de la terre et redevient plante. Il s'agit pour elle de devenir tous les êtres, d'entrer dans tous les cycles, de s'élargir dans tous les vivants, de visiter toutes les existences. Évidemment, ce n'est pas notre morale. Et c'est peut-être la beauté de la vie de ne pas être sur le principe de notre morale, mais d'ouvrir dans une direction, de nous proposer une direction pour aller plus loin que la vie, pas moins loin qu'elle, pour faire peut-être mieux si possible, pas pour faire pire qu'elle. La morale dont je parle ici, vous le comprenez bien aussi, n'est peut-être que l'art de la durée collective dans un premier temps, comme dirait Bergson. Et à ce titre-là, vous comprenez tout de suite, par exemple, que la loi du talion, qui est une loi territoriale, que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vengeance pour vengeance, est nécessairement immorale, puisqu'au bout d'un certain temps, tout le monde est aveugle, tout le monde est édenté, tout le monde est mort. Hein? Par contre, des grandes règles de fraternité qui nous viennent par exemple du Tao Te Ching ou de Confucius ou du sermon à Benares de Bouddha ou de l'évangile de Jésus, tous ces grands principes de fraternité sont certainement pour nous aider à la durée, hein? Parce qu'ils sont fondés sur une fraternité s'élargissant constamment. Et c'est un principe nécessaire à tous les animaux qui, comme nous, sont des espèces nues, des espèces sans crocs, sans grandes dents, sans grandes griffes, qui ne peuvent survivre que par le principe de la collaboration et de la fraternité, et non pas par le principe de la guerre. Mais pour ça, pour y arriver, il ne faut pas oublier que la beauté morale, je reviens à Katmé, qui nous a donné une super leçon. La beauté morale repose sur une échappée de tous les territoires fermés. Une échappée, c'est probablement même que la beauté est l'échappée elle-même. Pensez-vous, pensez aux artistes. Qu'est-ce qu'un artiste? C'est quelqu'un qui est capable de faire une échappée. Hein? Matricard appelait ça une percée. Au-delà d'une culture donnée. Alors, une échappée. Sortir des territoires fermés. La beauté, vous savez, a quelque chose d'extrêmement étrange qui nous étonne. Elle ne peut pas subsister éternellement sur la même forme, sans aucune transformation, sans aucune réinterprétation. Elle devient insupportable. Écoutez le plus grand chef-d'œuvre de musique que vous connaissez. Mettez-les en boucle, comme ça. Et puis, écoutez-les 2 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, vous vous suicidez. La beauté exige la transformation constante de son propre être.
La beauté a besoin d'être réinventée, sinon elle devient un dogme mortel. Elle devient une série de tabous. Elle devient, en fait, si vous me suivez bien, un territoire artistique ou un territoire moral. Elle devient Pedro. Hein? Elle devient Pedro. Un étranger, je l'attrape. Si vous me suivez bien, la misogynie, c'est-à-dire la soumission des femmes à un territoire fermé idéologique, ce n'est pas un problème social, ce n'est pas un problème culturel, c'est le bouchon qui nous bloque notre avenir. C'est la chose même qui tue notre rapport avec la nature et qui nous empêche d'entrer dans un rapport écologique avec l'autre que nous, que sont les plantes et les animaux. La beauté doit mourir dans ses formes pour renaître dans d'autres formes. C'est sa condition éternelle, éternellement changeante. Alors, on peut se demander, parce qu'on s'est dit, est-ce que la nature est cruelle? Est-ce que la nature tue tout ce qui cherche à naître? Non, la nature, j'ai dit qu'elle était sur le principe de la métamorphose. Et donc, où est le fil de continuité? Où est-il? Il n'est donc pas dans la forme. Il n'est donc pas dans la métamorphose. Il n'est donc pas dans l'individu. Il n'est donc pas dans l'espèce. Même pas dans l'espèce. Il ne peut pas être ailleurs que dans la conscience. Le fil de continuité, c'est la conscience participante à la mémoire inclue dans le cosmos, à l'intelligence du cosmos. Le fil de continuité, c'est la conscience. Et donc, ça peut être nous. Ça peut être nous dans la mesure où nous nous attachons à notre propre fil de continuité qui est notre conscience. Donc, le fil de continuité, c'est notre conscience greffée dans la conscience universelle. Vous me suivez bien? C'est le fil de continuité, c'est notre conscience personnelle, non individuelle, et donc greffée à la conscience universelle. C'est pourquoi nous sommes des mortels immortels. Mortels dans tout, sauf dans le fil de notre conscience. Je n'étais donc pas totalement fou lorsque j'ai dit « Pour aimer, il faut trouver beau, car l'amour est l'élan de la beauté, une attraction. » Mais j'aurais peut-être mieux parlé en disant que l'amour est la beauté en nous qui recherche la beauté en tout, et que ce lien de la beauté en nous qui recherche la beauté en tout est le fil même vibrant, l'électricité vibrante qui est la jouissance même de la vie et qui nous assure une jouissance éternelle dans la communion de l'être vivant. Et cela, ce n'est pas une loi naturelle, pas une loi abstraite, je veux dire,
c'est la vie elle-même dans son acte intégral. Faire passer la vie en nous, sentir sa vibration et tout à coup rejoindre le courant vibratoire, l'électricité lumineuse, vous savez, hein, la lumière engendre une excitation de l'électron qui change d'orbital par la lumière, excité, hein, Eros, excité. Toute l'énergie des légumes est là-dedans. Toute l'énergie des plantes est là-dedans. Et elle nous est transférée par les animaux. Et voilà ce qu'est notre corps. Mais voilà ce qu'est notre esprit aussi. Puisque la lumière nous atteint dans notre intelligence même par sa force d'intelligibilité. Voilà, je ne voulais pas vous en dire plus parce que j'aimerais bien qu'on aille un certain temps pour les questions. Et il est temps maintenant, je crois, d'écouter des plus grands poètes que moi. Merci. Merci beaucoup, Jean. Je pense qu'on a tous hâte dans la salle de pouvoir échanger avec vous. Et alors, je pense que c'était déjà très poétique, n'est-ce pas? Mais nous allons continuer dans la voie poétique avec, finalement, quelque chose qui découle de l'amour du monde et qui s'appelle « La résistance ». Alors, nous allons entendre le poème qui s'intitule « Résiste » et qui a été écrit à deux mains ou à deux voix, si vous aimez mieux, celle des poétesses Joséphine Bacon et Laure Morali, que je vais inviter bientôt à nous joindre ici en avant. Alors, juste quelques mots. Joséphine Bacon, Inou, donc, originaire de Betiamite, qui a, entre autres choses, publié « Un thé dans la toundra » chez Mémoire d'Encrier en 2013 et qui, en 2009, avait reçu le prix des lecteurs du marché de la poésie de Montréal pour son recueil « Bâton à message »,« Chisinouat Chitakana », j'espère que je le prononce pas trop mal. Dans les deux cas, il s'agit d'éditions bilingues Innu, ce qui nous permet d'entendre la langue Innu. Et l'autre poète, Laure Morali, a des racines algériennes et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que si elle a été appelée Laure, c'est parce que son père voulait se souvenir du laurier de sa terre natale. Alors, on est déjà, n'est-ce pas, dans la poésie là aussi. Ses poèmes, ses romans, ses récits évoquent la mer, le vent et le nomadisme. Elle a publié, entre autres choses, « La route des vents » et « Orange sanguine ». De même que de nombreuses anthologies chez Mémoire d'Encrier. Et je veux dire que ces deux femmes poètes sont également connues comme réalisatrices de nombreux documentaires. Ce sont des femmes pleines de vie et d'amour. Et écoutons-les nous présenter, nous dire leurs poèmes. Est-ce que vous voulez venir au micro ici, mesdames? Voilà, on va vous... Matamashka. Résiste. Ega prasta et tepte poitouin titi waskwadi. Obéis à ton cœur qui se souvient de tout. J'obéis à la joie qui prend ta main. Désobéis aux couleurs qui séparent, aux frontières qui morcellent. Pashasta mnohiton wetnakstajino. Désobéis à tes enfants qui font fléchir tes genoux. Eka pahasta emanen magan tawas kostwentak. Obéis à l'enfant quand il te regarde de travers, désobéis aux remords, aux regrets, aux chemins tout tracés. Tu obéis à l'homme de l'intérieur des terres qui se bat pour sa vie. Désobéis à ce qui t'empêche de grandir et de te transformer. Pahasto piham.
Obéis aux vibrations sonores des arbres qui chantent entre eux. Ne te retourne pas quand on te demande de gaspiller les arbres. Désobéis à la nuit quand tu veux qu'il fasse jour. Obéis aux arbres qui voyagent en poésie. Désobéis au jour quand tu sais qu'il fait nuit ailleurs. Presto tuitewagan jahajitan nesihwet. Skolvan, Skolvan, Escob Leon, Zododat Greys Orlan Datchum, Zododat Chum Dat Greys Orlan. Ega Pasto Chotmo, Koyehmoch. En Kitchen Forescaniskan, En Kitchen Forescaniskan. Obéis à la terre, elle te demande réparation. Obéis à la force du papillon. Obéis à la lune, ta grand-mère qui réclame la présence des étoiles. Obéis à la lumière, au ruisseau, à la source, au phare. Obéis au soleil qui te donne un message. Obéis aux peintures rupestres peintes à l'or de l'Unamun. Désobéis aux dieux qui te demandent de leur obéir. Je n'obéis pas à la guerre qui tue. Désobéis à la mort. Désobéis au présent qui accepte ton absence. Désobéis au silence qui nous tue. Tu passes ton nom, tu m'yonno, mais tu m'as cacote si. Désobéis à tes rêves quand ils ne respirent plus et qu'ils sont envahis par les rêves des autres. Désobéis au gouvernement qui triche. Désobéis à la peur. Obéis à la rivière qui t'offre le saumon en offrande. Obéis à l'arc-en-ciel. Obéis aux aurores boréales qui dansent pour toi. Désobéis aux cases dans lesquelles on veut nous enfermer. Désobéis au danger. Obéis à l'horizon qui t'invite à l'inconnu. Obéis à l'affranchissement de ton regard. Désobéis aux maisons, aux murs, aux identités, aux miroirs. Désobéis à l'histoire qui t'ignore. Désobéis à ton passé, à ton présent, invente ton futur. Obéis à la liberté du poème jusqu'au bout de l'horizon. Obéis à l'amour qui t'est offert. Obéis aux mots que tu prononces. Obéis aux mots poèmes. Désobéis à l'amour. Désobéis à tout ce qui te soumet, t'amenuise, te manque de respect. N'obéis pas quand on te hurle dessus. Désobéis à la résignation. Obéis à ton cœur qui bat le tambour. Obéis à l'amour. Obéis à l'ami qui te dit je t'aime. Obéis à ton frère qui se cache en l'étranger. Désobéis à ces gens qui prennent ta terre. Désobéis à l'obéissance que l'on t'a enseignée. Désobéis au barrage qui noie ton frère caribou. Obéis à ton désintéressement, à ta farouche liberté. Désobéis au bruit qui ne sonne pas le monde. Obéis à ton instinct, à ta clairvoyance. Désobéis au futur qui ne te connaît pas. Désobéis à ton corps quand il t'enferme en toi, à ton orgueil. Obéis à l'enseignement des anciens. Obéis aux rêves anciens qui connaissent ton futur. Désobéis à l'ignorance des gestes doux. Désobéis à ta famille, à tes idéaux, à tes amis. Désobéis à la laideur des mots. Obéis à ton dégoût. Obéis à la chaude clarté de l'aube. Obéis à tes promesses.
désobéis à l'argent et à son égoïsme. Désobéis à l'habitude, obéis à la folle inventivité de la vie. Désobéis à la désobéissance. Désobéis à tout ce qui n'est pas toi. Désobéis à tout ce qui te ressemble trop. Désobéis-toi. Désobéis-moi. Désobéissant.